La roche du Guet, à partir de Montmélian, un petit sentier, très joli d'ailleurs, qui serpente entre les buis, les chênes et les alisiers, grimpe jusqu'au sommet progressivement. La roche du Guet est située juste au-dessus de la ville de Montmélian. La montée est un très joli sentier forestier qui monte en serpentant, mais qui ne laisse pas un moment de répit. C'est un très bel exercice physique, il y a environ 1000 mètres de dénivelé. Ensuite, on longe les crêtes. Et là, on va redescendre par un autre sentier, ça fait une petite boucle qui redescend ensuite sur Montmélian. La vue du sommet est vraiment magnifique et la suite, vous verrez sur le panoramique, est extraordinaire. Petit panoramique du sommet de la roche du Guet au-dessus de Montmélian. En bas, le lac de la Tulle qui est très proche. Tout au bout là-bas, c'est la croix du Nivolet. Le Margeria. La pointe de la Galope. La dent d'Arcluse. Le Mont Blanc, géant, vu d'ici. Tout en bas, c'est Albertville et le début de la vallée de l'Isère. Là, c'est toute la chaîne des monts d'Albée avec le Grand Arc tout au bout, magnifique, vu d'ici. Une jolie pyramide. Ensuite, on va longer tout le massif de la Vanoise. C'est bien enneigé quand même déjà. Puis la chaîne de Belledonne. En dessous, c'est toute la vallée de l'Isère qui va jusqu'à Grenoble. Tout en bas, c'est Montmélian au pied de la roche du Guet. On va se déplacer vers la Chartreuse en plein soleil, mais c'est très joli. Avec tout au bout, à son extrémité, le Mont Granier. Et son très large col. Voilà, on a fait le tour.